qui va se passer maintenant, tu leur as tout offert. Il s'est déjà passé 6 mois, tu leur as tout offert, mais elles ne répondent plus au téléphone. Elles t'ont complètement oublié. Et là, tu les rencontres par hasard dans la rue. 1, 2, 3, réveille-toi. Vous êtes sérieuse ? Bah quoi ? Je vous offre tout, vous ne me répondez plus. Ouais, mais avec elle, on a une fille à côté. Ouais, mais non, vous ne me répondez plus au téléphone, on ne se voit plus. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est le lycée. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dormir. En fait, elle te répondait plus parce qu'elle prépare depuis 6 mois la plus belle fête du monde pour toi. Parce qu'elle t'adore, elle t'aime. Et bah là, elles te font la surprise. Tu les as pas vues depuis 6 mois et t'es tellement contente, tu vas sauter de joie. T'auras qu'une envie, c'est de sauter. D'ailleurs, tu pourras plus marcher normalement, tu vas sautiller tout le temps. 1, 2, 3, réveille-toi. Et plus tu vas sautiller, plus tu vas être contente. Je suis vraiment contente. Plus tu vas être contente, plus tu vas sautiller. Un câlin ? Oui. Bibi ! Je suis trop contente. Ça va ? Oui. Ouais ? J'ai du mal à filmer en fait, tu peux pas arrêter ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis trop contente. D'accord. Mais tu sais, ça donne un peu mal à la tête là. Non, je suis trop contente. Les genoux, non. Non, non. Ils veulent pas s'arrêter. Tiens, regarde-moi. Ok. Et tu vas voir que ça va suivre ma main. Ok. Les yeux se ferment. Ok. À partir de maintenant, Abigail, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir invisible. Personne ne te voit, c'est impossible et tu peux aller observer les gens de près parce qu'ils ne te voient plus. Tu le sais, tu as toujours été invisible d'ailleurs, et ce qui est trop bien, c'est que tu peux faire plein de petites farces aux gens, tu peux prendre leur chapeau et le faire tomber, tu peux aller regarder vraiment très près de leur visage comme ça et compagnie. Tu peux faire ce que tu veux parce que tu es invisible. Attention, fais pas trop de bruit parce qu'ils pourraient t'entendre. Au compte de 3, tu te réveilles et on ne te voit plus. 1, 2, 3. Mais il y a quelque chose. Mais quoi, j'arrive. Freeze! Imagine que je réouvre là ton livre de l'hypnose. Et sur cette page, il y a écrit: Abigail, quand elle était figée, à un moment donné, a su qu'elle devait re-rentrer en état d'hypnose, replonger de plus en plus dans un état agréable, fermer ses yeux et plonger profondément à l'intérieur d'elle-même. Aller chercher les choses les plus belles à l'intérieur d'elle, les plus beaux sentiments, les plus belles émotions. Juste se sentir ultra bien. Être fière d'elle. Savoir qu'elle a bien fait rigoler ses copines, mais qu'elle s'est bien amusée surtout. Et du coup, ce qui est bien, c'est que le livre, il s'arrête là. Il y a une page blanche. Et juste au-dessus de la page blanche, c'est écrit: Abigail choisit à ce moment-là l'émotion qu'elle voulait, les sensations qu'elle voulait pour les vivre. Et elle n'avait même pas besoin d'en parler aux autres. Et elle pouvait faire durer ça autant qu'elle le souhaite. Et en profiter autant qu'elle le souhaite, tant que c'est bien pour elle. Et c'est elle qui va choisir ça. Et elle se réveillera exactement quand elle le souhaite. Pour ressentir tout ça autant qu'elle le souhaite. Trois, deux, un. Comment ça va?